bien, ce laboratoire est à Chambon-la-Forêt depuis 1936 pour fuir les courants électriques et les champs magnétiques dus à l'activité humaine, aux trains, aux tramways, aux industries. L'observatoire a été créé en fait en 1883 dans la banlieue de Paris à Saint-Maur, mais il a dû déménager plusieurs fois et depuis 1936, il est ici, à peu près au calme, bien qu'on y enregistre sans aucune difficulté le passage des trains à 30 km d'ici sur la ligne Paris-Orléans. Mais ça ne nous gêne pas trop. Voilà. Voilà, alors on descend au fond du gouffre, dans les caves, ça ressemble un peu à un château fort. Voilà, vous avez ici un système de couloirs qui distribue sur des pièces où, dans le noir, en permanence, des appareils sont en train de mesurer le champ magnétique. Je vais vous laisser jeter un coup d'œil, mais nous n'entrerons pas parce que sans ça, nos appareils métalliques perturberaient complètement la mesure du champ magnétique. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, des boîtes, des appareils, des fils, et tout ça qui enregistre en permanence le champ est renvoyé sous la pelouse, dans le pavillon central. On voit ici ces toutes petites variations, ce sont celles que nous avons créées pendant quelques minutes en nous promenant à proximité des appareils dans la cave des instruments magnétiques. Ça a beau être tout petit, c'est une perturbation que les centres mondiaux de données n'apprécieront pas quand on leur enverra les données. Je m'appelle Vincent Courtillot, je suis géophysicien et plus précisément paléomagnéticien. Le travail du paléomagnéticien, que certains appellent parfois le paléomagicien, consiste à faire parler les roches, à retrouver la mémoire qu'elles ont gardée du champ magnétique du passé. Alors à quoi ça sert de mesurer le champ magnétique terrestre? Est-ce que c'est juste pour s'amuser? Est-ce que c'est pour le plaisir intellectuel? Est-ce qu'on a une raison pratique? Eh bien la réponse à toutes ces questions, c'est oui. Nous voulons comprendre ce qui fabrique le champ magnétique au cœur de la Terre, à 3000 km sous nos pieds, dans le noyau. Et ça, c'est un grand problème de physique fondamentale. Einstein disait que c'était un des quatre grands problèmes non résolus qui restaient à envisager pour les physiciens des siècles à venir. Moi, j'ai des petits problèmes avec le chinois, je vous laisse. Tout se passe comme si au cœur de la Terre, on avait placé un barreau aimanté. Si vous vous souvenez de l'expérience de physique dans laquelle on jette de la limaille de fer au-dessus d'un aimant, eh bien si on imagine qu'on jette cette limaille de fer au-dessus de la Terre, elle s'organise en des familles de courbes relativement simples, et le champ magnétique, en fait, eh bien il est partout le long de chacune de ces lignes. Alors si maintenant j'imagine que je suis un petit personnage qui va du pôle sud au pôle nord à la surface de la Terre, eh bien au pôle sud, le champ magnétique me passe par la tête. Si je remonte du pôle sud, le champ magnétique se met à plonger de plus en plus faiblement, et une fois arrivé à l'équateur, eh bien mon petit bonhomme y voit le champ magnétique horizontal. Continuant son périple, il verra le champ magnétique se mettre à plonger sous la Terre, et quand je rejoins le pôle nord, le champ magnétique est à nouveau vertical, mais cette fois-ci, il plonge vers le bas, il me traverse les pieds. Vous voyez donc changer régulièrement l'inclinaison du champ magnétique, son plongement sous l'horizontale en fonction de la latitude, vous comprenez que, inversement, si je connais ce plongement, je peux retrouver la latitude à laquelle l'aimantation a été observée. Si on est capable de mesurer la direction du champ magnétique dans une roche ancienne, cette roche va en fait jouer le rôle d'une véritable boussole fossile. Si je suis capable de savoir où pointait le nord au moment où ce caillou s'est déposé, au moment où cette lave s'est refroidie, je saurai si le continent sur lequel je l'ai ramassé a tourné par rapport à la direction qu'il occupe aujourd'hui. Alors, très pratiquement, comment se déroule une opération sur le terrain? On va prélever les échantillons avec la foreuse, avec le matériel d'orientement. L'inclinaison de la carotte, ici, de 66 degrés et demi. The beta angle is 66.5. Et l'azimut magnétique, que je lis en dessous sur la boussole, est de 64 degrés. On va orienter soigneusement 5, 6, 8 carottes en 20 ou 30 sites différents répartis sur toute la région. Et voilà, la carotte casse presque toujours au fond du trou. Et je peux la sortir. Il me reste maintenant à la marquer. Et
Bien évidemment, en même temps, nos collègues tectoniciens et géochronologues vont faire des observations sur les failles, sur les mouvements. Nous, notre travail de paléomagnéticien, c'est de transformer ces carottes en de petits échantillons cylindriques que nous allons mettre au laboratoire dans notre magnétomètre ultra-sensible pour déterminer la direction de son aimantation fossile. Alors là, tu es en train de faire la mesure à vide ? J'ai déjà mesuré le bruit du fond. Quel est le niveau ? Alors, les paléomagnéticiens du monde entier, depuis plusieurs dizaines d'années, ont accumulé des résultats. Ils ont été échantillonnés les quatre coins du globe pour les périodes de plus en plus reculées. Et petit à petit, ils ont été capables de repositionner chaque continent à chaque époque. En Inde, actuellement, je représente le continent indien à 20 ou 30 degrés de latitude nord. Le champ magnétique aujourd'hui plonge vers le bas. Eh bien, l'aimantation que j'ai mesurée, elle plonge vers le haut. Cette direction n'est absolument pas compatible avec le champ magnétique d'aujourd'hui. Par contre, si par la pensée je replace l'Inde à 30 degrés de latitude sud cette fois-ci, je me retrouve dans une direction de champ magnétique qui est conforme à celle qu'on observe fossilisée dans la lave. J'ai donc la preuve qu'en 65 millions d'années, l'Inde est passée de 30 degrés de latitude sud à 20 ou 30 degrés de latitude nord, un mouvement de 5 à 6 000 km. Ce travail est un travail qui n'est jamais fini, on l'affine sans arrêt. Il nous permet de reconstituer des cartes, ce qu'on appelle des cartes paléogéographiques. On va pouvoir revoir à chaque époque quelle était l'allure des continents dans le globe, la distribution des terres et des mers, le balai des plaques. Voici donc la position des continents telle que nous avons pu la reconstituer il y a 250 millions d'années, l'Afrique au centre d'un grand ensemble qui regroupe l'Amérique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Voilà le déroulement de l'histoire. On voit immédiatement quelques blocs traverser l'océan de la Tétis et entrer en collision plus au nord. Le dernier, c'est le bloc de Lhasa. Et puis, voici l'océan Atlantique qui s'ouvre, tout de suite après l'océan Indien. Maintenant l'Atlantique Sud et l'Inde vient de se séparer complètement. Elle entame son rapide mouvement vers le nord, 68, 67. Hop, vous venez à 65 millions d'années de voir apparaître l'immense volcanisme du Deccan, là où est cette tache rouge. Vous voyez que l'Inde est bien en position d'hémisphère sud. La latitude du Deccan est à 30 degrés de latitude. C'est le paléomagnétisme qui nous a permis de repositionner l'Inde exactement là où elle est au bon moment. Continuons le mouvement, vous la voyez avancer jusqu'à 15 cm par an, et là, paf, collision et expulsion de l'Indochine qui est squeezée comme de la pâte dentifrice et expulsée vers le sud-est. Et ça, elle le fait pendant 30 millions d'années. Et au bout de 30 millions d'années, le système se coince. L'Himalaya et surtout le plateau du Tibet commencent à monter. Et nous arrivons ainsi à la position actuelle. Le point chaud qui a donné naissance aux trappes du Deccan est aujourd'hui le piton de la Fournaise. Le volcan est sous l'île de la Réunion. C'est dans ce paysage étonnant, au milieu de l'Inde, qui a été découverte presque par accident, la preuve, peut-être la preuve, que l'extinction des dinosaures est due à une gigantesque éruption volcanique. Le Deccan, ce sont des plateaux de plus de 2000 mètres d'épaisseur de lave, on les voit très bien dans les magnifiques falaises découpées par les rivières à travers l'Inde, et ces 2000 mètres de lave, on imaginait qu'on avait mis des dizaines de millions d'années à les mettre en place. En fait, nous avons un peu accidentellement mesuré leur aimantation depuis le bas de la pile, depuis la première coulée jusqu'au sommet 2000 mètres plus haut. Et on s'est aperçu qu'à l'intérieur de cette pile volcanique, le champ magnétique de la Terre ne s'inversait que deux fois. Or, ce champ magnétique, il s'est renversé des centaines de fois au cours des centaines de millions d'années. Si la lave avait vraiment mis si longtemps à se déposer, on aurait dû voir une succession d'un grand nombre d'inversions. Le simple fait de n'en voir que deux montrait déjà que le phénomène avait été extraordinairement court, bref, brutal. Des fissures de 400 km de long,
crachant de la lave, des poussières et des gaz, de gigantesques fontaines de lave qui montaient sans doute jusqu'à la troposphère et dont les gaz sans doute pénétraient la stratosphère, c'est-à-dire à plus de 10 km d'altitude, pour être ensuite emportés tout autour de la Terre par les vents de très haute altitude, ce qui fait que les gaz, les poussières, les matières ont rendu l'effet climatique de cette gigantesque éruption volcanique tout à fait globale. La contribution des paléontologues a été absolument essentielle. J'étais avec un collègue, Henri Capeta, sur le terrain. Nous regardions les derniers sédiments qui se sont déposés avant les premières coulées de lave, justement sous les trappes du Deccan. Ces sédiments sont très pauvres en fossiles et on n'en connaissait pas bien l'âge. Mon collègue Capeta s'est laissé aller à un besoin naturel et alors qu'il était en train de penser à autre chose, il a découvert que cette érosion naturelle par un liquide découvrait un petit objet blanc sur lequel il s'est penché immédiatement. Et à notre surprise à tous et notre grande admiration, il a identifié dans ce petit morceau blanc de 3 mm de longueur immédiatement la dent d'une raie, un grand poisson d'eau douce qui vivait précisément lors du dernier étage de l'ère secondaire et qui nous datait assez précisément le début des éruptions. Le paléomagnétisme nous apprend que la lave du Deccan s'est mise en place en très peu de temps. Le géochronologue nous dit que la fenêtre de temps correspond assez précisément à la fin de l'ère secondaire. Et le paléontologue nous montre que précisément le volcanisme commence au moment où vivaient les dernières espèces de l'ère secondaire. Donc avec les trois, on ne pouvait pas tirer d'autres conclusions que celles qui s'imposaient à nous. Pourquoi ne serait-ce pas le volcanisme qui avait liquidé les espèces à la surface de la Terre ? On peut prédire sans guère de risque de se tromper, et puis surtout sans risque d'être vérifié par un humain actuellement vivant, que dans quelques millions ou dizaines de millions d'années, il est tout à fait probable que se produira une nouvelle catastrophe qui nous fera entrer dans une cinquième ère géologique dans laquelle les animaux dominants ne seront d'ailleurs peut-être plus l'homme. Mais de façon moins futuriste, l'intérêt de l'étude des conséquences écologiques de ces catastrophes volcaniques, il est actuellement important. L'homme, depuis 100 ou 200 ans, émet dans l'atmosphère des gaz, des poussières, devient un véritable agent géologique comme jamais dans le passé de la vie sur Terre, et ce qu'il fait est d'une ampleur à peu près égale à ce qui s'est produit pendant les grandes catastrophes. Donc étudier les modifications du climat pendant ces périodes exceptionnelles est peut-être un des meilleurs outils de comprendre ce que l'homme risque de faire à la planète dans les deux siècles qui viennent.